Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce premier plateau de la première matinale bio. Alors tout au long de cette matinée, eh bien, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler également de recherche, d'économie, bref de tous les sujets qui vous concernent, qui nous concernent au quotidien, avec un certain nombre d'invités que vous découvrirez tout au long de cette émission. Mais tout de suite, j'accueille Laure Verdeau. Bonjour Laure. Bonjour Philippe. Alors vous êtes la toute nouvelle directrice de l'agence bio. Alors certains de ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous font l'amitié de nous regarder, pourront être un peu surpris parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude des grands messes, des assises de la bio. Et ce coup-ci, eh bien, c'est une émission de télévision dans un studio de télévision. Alors donc, moyen exceptionnel, situation exceptionnelle. Et oui, et on remercie d'ailleurs les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce côté foisonnant, cette agora qu'on avait les autres années avec les assises. Et donc, on teste le format. On est ravis justement de s'adapter pour cette matinale. Alors, je précise, généralement dans les assises, on peut poser toutes les questions qu'on souhaite aux intervenants qui sont sur scène. Eh bien, ce sera exactement la même chose dans cette émission. Il vous suffira de cliquer sur le petit bouton gris qui est en bas à droite de votre écran et vous pourrez indiquer, donner, réagir, poser des questions et je me ferai votre intermédiaire. Alors, Laure, on va quand même parler un petit peu de votre actualité personnelle puisque vous avez pris les rênes de l'agence bio il y a moins de 15 jours. Lundi dernier. Voilà, donc c'est le grand bain. Nouveauté 2021. Alors, quelles sont vos ambitions pour l'agence bio et pour la bio en France? Alors, nous, l'agence, vous savez, on a un groupement d'intérêt public qui va avoir 20 ans cette année. Donc, évidemment, l'objectif, ça va être de continuer le travail des équipes et de mon fantastique prédécesseur et de l'amplifier. Alors, on va continuer effectivement à être cette instance de dialogue où toutes les acteurs du bio se rencontrent, de la bio se rencontrent. Nous allons continuer, bien sûr, à avoir avec notre équipe d'experts agronomes, vous savez, à l'agence, on a une équipe qui est dédiée à décortiquer tous les projets bio qui vont se monter en France. Il y en a beaucoup? Ah ben oui, on en va et on espère qu'on va en recevoir beaucoup puisque notre l'enveloppe du fonds Avenir Bio est passée grâce au plan de relance de 8 à 12 à 13 millions d'euros et donc ben voilà, il va falloir miser sur les projets qui vont le plus contribuer à la structuration et à la croissance de la bio en France. Alors, la croissance de la bio, c'est aussi une croissance en termes d'emploi parce qu'on le sait peu, mais c'est un secteur qui recrute énormément. Eh ben oui, parce que quand vous produisez en bio, ben vous avez moins de recours aux désintrants chimiques de synthèse et donc ben, vous avez plus besoin de main-d'œuvre déjà d'une part, et puis les agriculteurs bio ont tendance à aussi vendre en direct, donc ça aussi c'est de la main-d'œuvre pour vendre, et donc d'une manière générale, oui, l'agriculture biologique est plus pourvoyeuse d'emplois. Et plutôt des jeunes, c'est une filière d'avenir pour les jeunes aujourd'hui? Alors, ce sont des emplois pérennes, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est des emplois qui sont durables, c'est pas forcément des emplois précaires, donc oui, ce sont des jeunes. Alors, Laure, il y a une question que je voulais vous poser, parce que je pense que dans cette émission, et nombre de ceux qui nous regardent vont se la poser également, on va parler de la bio et du bio. Alors, c'est quoi la différence? Oui, ben moi-même, on va faire un peu de pédagogie. Oui, effectivement. Alors, du coup, nous, à l'agence bio, on parle du bio, effectivement, parce qu'on parle du marché, des produits, et effectivement, on a tendance à regarder les chiffres du bio. Vous savez, on a un observatoire qui fait les chiffres du bio, mais vous pouvez aussi entendre la bio. Moi-même, ça m'arrive parfois, parce que la bio, ça va être, si vous dressez l'oreille, ça sera sans doute un agriculteur, votre interlocuteur, puisque ça concerne plutôt le mode de production agricole. Donc on comprend bien, en fonction de l'interlocuteur, il dira l'un ou l'autre. Une dernière question, pour vous, la bio, ça, le bio, c'est quoi? C'est un mode de vie? C'est le fer de lance de la transition alimentaire. Un des fers de lance. Et alors, je rappelle une chose aussi importante, c'est qu'à l'agence bio, et vous en parliez tout à l'heure, il y a tous les acteurs, et ce qui est très étonnant quand on pousse la porte pour la première fois de l'agence bio, c'est qu'il y a des gens qui, en dehors de cette agence, ne seraient jamais rencontrés, qui sont de tous les univers, aussi bien un agriculteur que peut-être un industriel. On recevra tout à l'heure un industriel du secteur du yaourt. Ah ben oui, en fait, l'agence bio, c'est justement là où le but, c'est que se rencontrent ceux qui fabriquent la nourriture à partir de matières premières agricoles. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amont et l'aval, des agriculteurs, des transformateurs, des coopératives agricoles qui sont effectivement à la fois sur les deux segments. Donc, le but, c'est un peu comme ces assises qui sont maintenant devenues cette matinale digitale, que ce soit l'Agora et que toutes ces familles dialoguent ensemble pour faire en sorte que le boom, l'engouement des consommateurs pour les produits bio, ben, profite à l'agriculture française.